Bonjour à tous et à toutes. Eva Beltan, coach de vue. Aujourd'hui, je suis avec Desislava Nikodimova, qui est enseignante de la méthode d'auto-rétablissement de la santé et de la vue de Norbekov, qui fait partie du centre bulgare à Sofia de Norbekov. Bonjour, Desislava. Bonjour Eva. Et nous sommes là pour parler effectivement de la méthode de Norbekov, qui vient de l'Est et qui est très, très célèbre dans tous ces pays-là. Et nous aurons le plaisir de faire un stage en avril à Toulouse. Donc, pour répondre à quelques questions pour vous qui pourriez être intéressés, à qui ça pourrait être utile. Donc, la première question à toi, Desislava, en quoi cette méthode, justement, pour auto-rétablir la santé et la vue, parce qu'elle est vraiment efficace et assez rapide, en quoi elle est différente par rapport à d'autres méthodes qui sont déjà liées à la santé, au bien-être, comme yoga, tai chi, qigong et autres, ou d'autres méthodes qui pourraient promettre aussi auto-guérison ou autre chose? En quoi elle est différente? En quoi elle est spécifique? Bonjour de nouveau Eva. Elle est différente par rapport à la rapidité qu'elle a. C'est-à-dire que le séminaire de santé de niveau 1, ça dure 9 jours. Et déjà, dans les limites de ces 9 jours, on voit déjà des résultats. C'est très très rapide parce qu'on va englober, on va approcher à la fois le corps physique et les lois naturelles qui le gèrent. On va travailler avec l'état émotionnel qui se reflète immédiatement dans le corps. On va travailler avec la qualité de nos pensées, parce que ben, nous, on est ce qu'on pense, et on va travailler avec les objectifs qu'on a dans la vie. On va se travailler avec le passé, parce que le passé a construit notre présent, c'est-à-dire que l'approche va être multidirectionnelle. Tout ceci concentré en seulement 9 jours. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la méthode, elle est très, très pratique. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu de théorie, mais beaucoup plus de pratique. Le but étant d'apprendre tout dans 9 jours. Vous ne pouvez pas apprendre le yoga en 9 jours, vous ne pouvez pas apprendre le qigong en 9 jours. Alors que la méthodologie, oui, de chez Norbekov. Troisièmement, c'est accessible à chaque personne. Il n'y a pas besoin de savoir et des acquis au préalable. J'ai été sportive de haut niveau. Après, j'ai fait des études de naturopathe, donc j'ai eu plusieurs approches et des recherches. Et quand je suis tombée sur cette méthode-là, j'ai été acquise tout de suite parce que d'abord, on fait tout seul une fois qu'on a appris les pratiques, et deuxièmement, c'est rapide. C'est rapide si on s'y investit vraiment, et les changements sont à tous les niveaux, pas que au niveau physique. Tu as déjà dit donc que c'était pour toutes sortes de personnes, donc plus ou moins pour tout le monde. À qui vraiment elle est destinée, pour quel type de symptômes peut-être, de maladie, quand je suis malade ou en prévention, à qui est-ce que elle peut être utile cette méthode? Cette méthode, elle a été conçue de façon à aider les personnes à gérer leurs problèmes chroniques, de s'en sortir des problèmes chroniques, des problèmes qui durent depuis des mois, depuis des années, depuis des décennies. Ce n'est pas une méthode qui est destinée, c'est logique aussi, hein, elle n'est pas destinée aux phases aiguës de quel que soit le problème. C'est une méthode qui commence, il y a des cours pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, vous voyez, la limite d'âge est très basse. Et puis, il n'y a pas de limite d'âge supérieur. Il y a quand même des contre-indications. Les contre-indications, on n'accueille pas des personnes qui ont des problèmes au niveau psychotique, c'est-à-dire où il n'y a pas une maîtrise au niveau psycho-émotionnel. Les gens qui ont subi une chirurgie récente, pareil, on ne les prend pas tout de suite, il faut du temps avant qu'ils viennent. Il y a aussi des problèmes, les femmes enceintes, pareil, on ne va pas les prendre parce que, voilà, pour ne pas intervenir en fait dans le processus de la grossesse. Il y a aussi quelques autres contre-indications, mais après on voit au cas par cas, c'est-à-dire que si on a des doutes, on va discuter avec la personne et on va lui dire oui ou non. Sinon, sont bienvenues les personnes qui veulent être actives. Ce n'est pas pour les personnes qui attendent qu'on leur fasse quelque chose et qu'ils restent passifs. Cette méthode, elle est issue du monde des arts martiaux. Et dans le monde des arts martiaux, on vous dit, eh ben voilà, toi tu fais et toi tu obtiens des résultats. Et que si tu es passif, voilà, ça ne marche pas. Il faut être responsable de sa santé et être un acteur, quoi.
Super. Donc, OK. au niveau des résultats, quand j'y viens, quels résultats je peux attendre éventuellement? Bon, moi, pour moi, ça serait la vue. Pour beaucoup d'autres personnes aussi, par exemple, c'est la vue. Ou côté santé, est-ce que tu guéris pas? Donc, de ce que j'ai déjà bien pu comprendre, c'est les gens qui font les exercices en groupe et qui vont le faire et y arriver par leurs propres ressources et leurs propres forces de leur corps. Mais quel résultat quand même il pourrait avoir à la fin de ce stage? Le fondement de la méthode est le fait que dans nos corps, dans l'humain, il y a des forces vraiment insoupçonnées qui ne sont pas utilisées dans le quotidien. Toute la méthode, elle est dirigée pour réveiller justement ces puissances, parce que ce sont des puissances, réveiller cette intelligence qu'il y a à l'intérieur de chaque cellule. Et du coup, une fois que ça se réveille et s'active, les résultats peuvent être vraiment multiples. Ce qui est important, c'est de savoir que si on vient pour une problématique, ben on ne va pas travailler que sur cette problématique-là. On va tout englober et du coup, ben, les résultats, pareil, ils sont multiples. Il y en a qui vont améliorer la vue, même sur des problèmes qui paraissent irrésolubles. Il y en a qui vont grandir parce que la colonne vertébrale, elle va récupérer au niveau de la taille. Il y en a qui vont ressortir rajeunis. Mais vraiment visiblement, la qualité de la peau s'améliore. Il y en a qui vont résoudre leurs problèmes au niveau hormonal. Ça, c'est pas rare. On a d'ailleurs eu pas mal des cas où les gens attendaient des enfants depuis des années. Ils n'arrivaient pas, en fait. Et après les stages et puis les pratiques qui ont continué à la maison, ben, voilà, ils ont subitement voilà, pouvoir concevoir un enfant. Il y a aussi des problèmes au niveau de tous les systèmes organiques. Je ne peux pas tout énumérer. Mais je veux préciser que le résultat, il est proportionnel à l'investissement de la personne. Si on attend passivement, il n'y a pas de résultat. Si on s'accroche à la problématique, il n'y a pas de résultat. Si on se fixe sur la maladie, il n'y a pas de résultat. Par contre, si on met tous les atouts du côté de la santé, les résultats sont inévitables. Souvent, les gens qui ont porté des lunettes depuis des années, on voit pendant les 9 jours du séminaire, diminuer d'une ou deux dioptries au niveau de la vue. Parfois, ça demande plus du temps, mais voilà, il y a des résultats pour lesquels la médecine officielle parfois dit que voilà, que c'est pas possible. Mais nous, on les voit quotidiennement pendant les stages, donc voilà. Par exemple, j'ai vu maintes fois des cicatrices que les gens avaient depuis des années qui disparaissent du jour au lendemain ou qui se modifient du jour au lendemain. Il n'y a pas une explication rationnelle à ça. On ne sait pas comment ça se passe, mais le corps, il sait le faire. Donc, il faut faire confiance au corps, à son intelligence, et si on le fait, ben, les résultats ne font que venir. Voilà. Comme dit M. Norbekov, si on est dans le flou, en fait, dans le flop de cette démarche, on ne peut pas se débarrasser des résultats. Voilà. Ils sont avec nous. Merci Slava pour toutes ces réponses. Et pour en savoir plus un petit peu sur cette méthode avant de peut-être la pratiquer ou de venir en stage, voici le livre qu'on peut vous conseiller de Monsieur Norbekov qui s'appelle donc en français La sagesse de l'âne ou Comment se débarrasser des lunettes, qui est déjà en marché français et que vous pouvez un petit peu lire et commencer la pratique avant éventuellement de venir à notre stage du 10 au 18 avril inclus, bien sûr, les 9 jours d'affilée. À Toulouse, où viendra personnellement Dzislava pour nous montrer et nous entraîner à cette méthode et à nous aider à aller plus loin au niveau de notre santé, forme, etc., pour qu'on répare, de revigorer, plein d'énergie, plein de vitalité et juste en super forme, quoi. Donc, j'aurai le plaisir d'accueillir Dzislava avec nous à Toulouse en avril. Pour ceux qui voudront s'y inscrire, savoir plus, nous sommes à votre disposition pour vous répondre. On vous mettra le lien en dessous de cette vidéo, où vous pourrez soit avoir plus de renseignements ou nous contacter directement pour éventuellement participer et savoir plus sur cette méthode et ce stage. Merci beaucoup, Dzislava, et je te dis à très bientôt à Toulouse et bien pour d'autres stages aussi en France. Merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde. À bientôt.